C'est la journaliste du Parisien qui était une des premières à défendre le film. Oui, j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, on s'est parlé tout à l'heure. C'est particulier de se voir ce soir avec un film qui est personnel, qui raconte que ce qui est personnel est touché autant de monde. C'est fou. Et en même temps, j'ai envie de croire que c'est des choses les plus personnelles qui sont universelles. Ouais. Ce film, t'as bossé dessus pendant très longtemps, non? Ah ouais. Ouais. Combien de temps? Bah aujourd'hui, ça fait 4 ans. Ouais. J'ai rencontré très bien. Donc vous avez bossé dessus pendant 3 ans, ouais. D'accord. Et on n'a rien entendu, moi j'ai rien entendu ce que t'as dit sur scène, t'as remercié qui? Sur scène, ici on n'entend pas. Ah, ouais. J'ai remercié Catherine Ball, parisienne. J'ai remercié ma mère, mon père, mon frère, j'ai remercié Mia, j'ai remercié producteur Hassan Guerra, agent. Et pourquoi ça a été si dur de bosser 3 ans? Pourquoi vous avez bossé 3 ans sur la fiche? Parce qu'on n'arrivait pas à monter le film, ouais. Et que plutôt que de rien faire, bah, on s'est dit qu'on allait bosser pour rendre le film encore plus décent. On est passé par des obstacles de financement, de CNC, oui, non, d'étapes et il fallait bosser tout le temps pour essayer de rendre le projet. Enfin, on arrivait tout le temps au bord d'un oui, puis après c'était un non. Ouais. Donc ça nous motivait, mais on continuait de bosser. Et nous, notre rencontre, elle était assez fusionnelle, donc on avait envie de se voir tout le temps. T'as tourné un peu le film de French Dispatch ou pas? Oui, j'ai tourné un film qui s'appelle Gagarin de Fanny Liattard et Jérémy Trouille qui sont nommés au César du meilleur court métrage pour le Chien Bleu. D'accord, j'espère qu'on va voir. C'est le premier long métrage, c'est Gagarin. D'accord. Il y a autre chose ou pas? Un film avec Nathalie Baye qui s'appelle La beauté du geste de Sylvie Oyon. Qui est tourné. Ok, merci beaucoup. C'est juste que je dois bouffer, mais bravo. Merci, génial. Bonsoir, félicitations. Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario du film? Qu'est-ce qui vous a attiré pour accepter le rôle? L'histoire, le personnage. Parfait, merci. Moi, ma question, elle est plus sur les jeunes. Qu'est-ce que tu dirais du coup aux jeunes qui regardent, comme tu l'as dit sur scène, qui te regardent, qui t'admirent? Tu leur dirais quoi là aujourd'hui? Je leur dirais que je suis trop touchée parce que normalement c'est moi qui admire les autres et que ça me touche trop quand j'ai l'impression de transmettre quelque chose à quelqu'un. Et en même temps je fais ce métier pour ça, donc c'est vrai. Et ce que j'ai envie de leur dire, merci. Il y a de l'espoir, une jeunesse, je pense, en mouvement. S'ils se sentent concernés par ce que je fais, peut-être pour ces raisons. Top, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée.